Deux enceintes waterproof à ventouse. Pas très commun. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter deux choses pic. Ce sont des enceintes waterproof avec une puissance sonore de 4 watts ainsi qu'une batterie de Samsung à 1000 mAh. Elles se connectent via Bluetooth, donc depuis un smartphone ou bien une tablette ou un ordinateur portable. Un microphone est aussi intégré dans cette petite enceinte, sachant qu'il y a 6 heures d'autonomie. Il y a 5 couleurs différentes, le vert, le jaune, le bleu, le rose et le noir. Mais il va falloir vraiment tester l'enceinte. Et pour cela, pourquoi pas prendre une douche et de la tester pour voir si vraiment elle est waterproof. On se retrouve tout de suite dans ma petite baignoire. Hop, c'est parti. Donc on se retrouve dans ma salle de bain avec la petite enceinte Chauspeak et mon iPhone 6S. Donc très simple, là je me retrouve sous le gestionnaire un petit peu de Bluetooth. Je vais me connecter donc à Chauspeak. D'abord, il faut aussi que j'allume l'enceinte, donc il y a des petits boutons dessus. J'appuie. Voilà, là c'est bien. Donc c'est super facile. Et puis là, depuis le téléphone, on va mettre une petite musique. Connected. Enceinte connectée. Et voilà. Un deuxième petit test. Dans le lavabo. Hop. Oh, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Énorme. Ça fait beaucoup de bien, je crois. Wow. Avec la chaleur. Et attention. Ça fait du bien de prendre une petite douche. Dans la boîte de l'enceinte, on retrouve bien évidemment l'enceinte avec la ventouse. Et dans une petite boîte, eh bien, un câble micro USB. Après le petit test, on peut vraiment constater qu'elle est vraiment waterproof. Cette petite enceinte est assez efficace parce que même si tu la mets au fond de ta piscine ou au fond de ton bain, imaginons, eh bien, cette enceinte sera quand même protégée. Mais tu ne vas pas entendre de la musique, ce qui est normal puisqu'en fait, à l'arrière, les petits trous vont se boucher. Il y a peut-être quelques petits défauts. Dites-moi aussi dans la barre des commentaires de ce que vous en pensez. Il manque un port jack. Ça peut être éventuellement intéressant pour pouvoir aussi écouter de la musique depuis un câble. Même si c'est vrai, cette enceinte est vraiment consacrée pour tout ce qui est un petit peu waterproof. Donc à ce moment-là, un câble, c'est pas vraiment nécessaire. Un tout petit peu plus de basse. Et au niveau des aigus, ça va. Et puis surtout, une petite LED qui te signale si l'enceinte est allumée ou est éteinte. Parce que c'est vrai qu'ici, en fait, il faut juste écouter et l'enceinte va dire qu'elle est allumée ou éteinte. Mais une petite LED, ça fait toujours plaisir. Un joli petit produit français. En plus de ça, il y a 3 mois de garantie lorsque tu l'achètes et il vaut 39,99€. N'hésite pas aussi à participer pour mon concours Phase Up avec les patchs anti-ondes électromagnétiques. Puisque prochainement, il y aura peut-être une de ces deux enceintes à gagner sur ma chaîne YouTube. La fin du concours Phase Up arrive à la fin du mois. Boum! Merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de la vidéo. Et tu sais quoi? Continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.